Allez, ouvre-toi. Quoi? La serrure est encore cassée? Oh, enfin. Bonjour, mon fils. Oh, papa, je me prépare pour les cours. J'ai quelque chose pour toi. Comme je suis le directeur, je t'ai acheté un nouveau casier. Vraiment? Oui, regarde. C'est à toi maintenant. Cool, merci. Chut, doucement. Oh, ok, c'est notre secret. Enfin, je ne serai plus en retard à cause d'une serrure cassée. Je dois vous parler, monsieur Hunter. Et c'est assez urgent. Que puis-je faire pour vous, Abby? J'ai besoin de plus de place pour mes vêtements. Oui, d'accord. Tenez, maintenant tous ces casiers sont à vous. J'aimerais triche moi aussi, mais au moins j'ai deux casiers. Hé! Mais papa, ce n'est pas juste. Je venais juste d'avoir la clé. Enlève tes livres. Mais je vais les mettre où? Laisse-moi réfléchir. Oh, tu peux les mettre là. Il y a beaucoup de place. Désolée, mais tu sais bien qu'on a besoin de cet argent. Écartez-vous, vous êtes sur le chemin de Mademoiselle Michel. Ouais, on a bien fait de faire appel à vous. Faites ce qu'on a dit. En fait, j'ai acheté tous les casiers. Aouh! Trouve-toi un autre endroit pour tes affaires. Ces horreurs bon marché. Patronne, c'est fait. Super, vous pouvez y aller. Je prends le plan. Voilà mon casier. Mes richesses doivent être protégées. Le coffre de Michel a pris la place de mon bureau. J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai changé quelques trucs. Mais non, ça me dérange pas. Je vais me trouver un autre bureau. Difficile de dire non à une personne riche. Et même le directeur de l'université doit faire des sacrifices. Oh, je suis désolée. C'était gênant. Oh, les lois de Newton, c'est mon sujet préféré. Les lois de Newton? Oups, j'ai pris le mauvais livre. J'arrive pas à regarder les pauvres, ça me rend malade. Éloigne-toi. Hein? Ok, elle est trop bizarre. Plus loin, c'est passé. Oh, les riches et leurs caprices. Plus loin. Oh, comment je suis arrivée dans le couloir? Au moins, personne ne me dérangera. Parfait. Maintenant, je peux étudier tranquillement. Hé, toi, laisse la place à Mademoiselle Mitchell. Et va t'asseoir dans le couloir, tu es trop pauvre. Sa place est là-bas. Quoi? Tu viens de me traiter de pauvre? C'est un scandale. Vraiment? Bon, non, je m'en vais. Bien. Et je vais me venger d'elle. Et toi, va-t'en tout de suite. Je ne suis pas pauvre. C'est cool que je ne sois pas trop loin des toilettes. Hé, je range mes affaires là. Oh, c'est mon livre de physique. Exactement ce qu'il me fallait. Il y a quelqu'un d'autre dans le salon VIP? Oui, mademoiselle. Cette fille était déjà inscrite. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous garantis que vous ne la remarquerez même pas. Ok, j'espère. Et tout se serait bien passé sans cette coïncidence. Tu fais quoi dans mon salon préféré? Je me repose, tu ne vois pas? Ethan, massez plus fort. Très bien. Carole, plus fort aussi. Oui, mademoiselle. Ce n'est toujours pas assez. Ah, mon masseur est le meilleur. C'est pas vrai. Ça ne ressemble pas à un massage relaxant. Plus vite? D'accord. Abby et Michel n'ont pas l'intention de se détendre avant d'avoir prouvé qui est la plus cool et la plus riche. Elles sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent et à endurer de la douleur. Je me sens bien. Je ne peux plus marcher. Je suis fatiguée après le travail. Je vais enfin pouvoir me reposer. Oh, c'est l'heure de se lever et d'aller à l'université. Mon pauvre dos. Ainsi, cet événement est entré dans l'histoire. Hé, est-ce que tout le monde écoute? Ça, c'est de l'action! Le pauvre Dan n'a pas de smartphone. C'est son seul moyen de regarder des séries. Je me demande qui va gagner à la fin. J'ai hâte de voir le jeu final. Monsieur Hunter, on va jouer au jeu où vous êtes la poupée. Quoi? Non. Mais c'est dans Squid Game. Comment on peut s'arranger? Pas question, on est en plein cours. Pourquoi? C'est tellement plus intéressant que l'histoire. Tu ne sais pas négocier.
c'est beaucoup d'argent. Ouah, papa accepte. C'est à vous. On continuera le cours d'histoire plus tard. Regardez, je suis douée pour jouer le rôle de cette poupée. Je pense que je serai la chef. Quoi? Le verre ne me va pas. Je serai le chef. Ce n'est pas juste. Eh, c'est ma place. Laisse-la moi. Comment ça? Bouge! Et merci pour le cocktail. Vous pouvez commencer le jeu. Elle m'énerve. Mais pourquoi c'est toujours moi qui prends? Je dois écrire avant que mon père ne regarde. Vous avez fini le test? Oh! Tu es éliminée. Mais j'ai bien joué! Bonjour, donnez-moi un ticket, s'il vous plaît. Désolé, mon ami, il vous faut plus d'argent. Et là? Seulement 3 dollars? C'est toujours pas assez. Écarte-toi, je voudrais une place pour le nouveau film. Bien sûr, mademoiselle, que voulez-vous? Un ticket normal ou un super VIP? Évidemment, je vais en prendre un super VIP. Ouah, entrez. Ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, on le pose ici. Hé, hey, c'est quoi ça? C'est drôle! Ton trône est devant l'écran, enlève-le! Vous n'avez pas de ticket. Mais ça fait longtemps que je voulais voir ce film au cinéma. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Je paierai. Non. Je serai discret, promis. Ok, pour cette somme, vous pouvez regarder le film par les rideaux. Hé, hey, Abby a de la chance. Là, Michel ne pourra pas me battre. Quoi? Un film sur la vie de l'ultra-riche Michel? C'est une blague? Oh, du pop-corn gratuit! J'ai de la chance aujourd'hui. Merci, Abby. Je ne regarderai pas ça. Je m'assois là. Non, c'est moi. Comment tu trouves mon nouveau sac de créateur? Mon assistante a le même. Hey! Ah, vous avez les mêmes goûts. Donnez-moi un sandwich, s'il vous plaît. Voilà, bon appétit. Salut, papa. Oh, fiston, tu as faim? Oui, mais je n'ai que 2 dollars. Je ne peux acheter que de la bouillie. Ne t'inquiète pas. Donne-moi ton assiette, avant que quelqu'un n'arrive. Je suis le directeur. Je peux offrir à mon fils un repas VIP. Tiens, vas-y avant que quelqu'un ne remarque. Salut, comment ça va? Tout allait bien jusqu'à ce que tu arrives. Maintenant, ça sent le pauvre. Heureusement que j'ai un désodorisant qui sent l'argent avec moi. Hé, hey, mais je suis cool moi aussi. Regarde, j'ai un hamburger VIP. Tu appelles ça de la nourriture? Mon repas a été préparé par le meilleur chef du monde et vient de Paris. Ah, regarde ces macarons. Ils ne sont pas magnifiques? Je dois montrer ça sur Instagram. C'est une blague? Mademoiselle, votre dessert. Merci, Chad. C'est parfait comme toujours. Nom d'un croissant! Je ne la supporte plus! Je ne peux plus voir Michel, ni ses stupides macarons! Ah, mon hamburger chéri! C'est moi qui devrais être à sa place! Si tu veux. Regarde, j'ai de la gelée de miel en forme de cœur. Ah, et alors? Regarde ma gelée en forme de dollar. Oh! Je me suis beaucoup investie dans ma nouvelle marque. J'ai hâte de vous montrer. Eh, c'est là que je vais. Non, c'est à moi. Je suis arrivée avant. Va ailleurs. Non, je suis la plus riche, donc j'ai le dernier mot. Berk, tu sens aussi l'odeur du manque d'argent? Et des vêtements bon marché. Ça doit être ton odeur. Quoi? Eh, les filles! Oh non, je vais sentir comme toi. Bonne idée, vous allez sentir l'or. Vous feriez mieux de partir tous les deux. Sinon, vous allez me contaminer avec la pauvreté. Qui a osé me lancer une bouteille? Alors, à qui est cette bouteille? Avouez! Je suis pauvre, donc je vais y aller. Alors? C'est Michel qui l'a jetée. Tout est de ta faute. Félicitations pour votre diplôme et votre admission à Oxford. Je croyais en vous, mademoiselle Michel. C'est super. Félicitations à vous aussi. Ah, c'est le grand jour. Fils, je suis fière de toi. Tu as été excellent. Félicitations pour ton diplôme. Tu as aussi été admis à Oxford. Vraiment? Je n'arrive pas à y croire. Ouais, je ne pensais pas être aussi intelligent. Mais on n'a pas assez d'argent pour les frais de scolarité. J'ai réussi à économiser.
Papa, tu es le meilleur! C'est le plus beau jour de ma vie! C'est pour toi! Tu as un père très cool! Mais les nôtres... Qui pourrait être tellement occupé qu'il ne viendrait pas féliciter ses enfants? Ne t'inquiète pas, on va à l'université ensemble! On va avoir besoin de beaucoup de désodorisants! Vous vous souvenez des parfums des désodorisants de Michel et d'Abby? Si oui, écrivez votre réponse dans les commentaires sous cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. À bientôt !